Salut à tous. Vous le voyez sur ces premières images, la météo du Gat. Aujourd'hui, il fait très très beau pour cette rencontre. Pour vous commenter ce match, je serai là bien sûr, Hervé Matou. On commence à se connaître un petit peu. On espère bien sûr se régaler. Qu'est-ce qu'il va nous réserver ce match? Un peu de spectacle, on espère. Attention, il a du champ devant lui. La reprise de volée. Ah, bien joué, super barré. Mais c'est repoussé par la gardienne, ça joue. Oh, la frappe qui passe très très loin. Il y avait de l'idée, mais il n'y avait que l'idée. Hein. L'adversaire qui hérite de ce ballon. C'est contré. Qui sort, ce sera une sortie de but. Ça part bien, action dangereuse. Bien joué, il fallait y aller hein, sur ce ballon en profondeur. Oh, le but venu d'ailleurs. Magnifique ralenti, hein, cette frappe, même au ralenti, elle va vite. C'est une mine incroyable. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ah, il est passé, il file vers le but. Oh oui, but! Encore un! Allez, le ralenti. La défense qui est en train de prendre l'eau là. Deuxième but encaissé en quelques minutes. Et les voici donc avec deux buts d'avance. 2-0. Ce ballon qui est intercepté. La voie est libre. Allez, il faut centrer. Bonne sortie, ballon bien capté. Il y avait beaucoup de présence physique dans la surface. Il poursuit son action personnelle. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. La bonne lecture du jeu sur cette interception. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Interception! Il s'infiltre, attention. Oh, la transversale! L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Elle est au fond. Il n'a pas tremblé sur ce pénalty. Voilà, le ralenti, très bien tiré, ce penalty en pleine lucarne. Exécution parfaite. 3-0, toujours pas de réaction en face. Ah, ils ne les laissent pas respirer, hein, leurs adversaires, c'est assez bien vu. Ce sera une touche à suivre.
Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah oui, il peut poursuivre son action. Oh, l'arbitre qui indique une fois de plus ce point de pénalty dans ce match. Il transforme son pénalty. Allez, on voit le troisième but personnel. Performance exceptionnelle hein, aujourd'hui. 4-0, rencontre à sens unique. Il porte le ballon. Centre, il y a du monde dans la surface de réparation. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Voilà une contre-attaque qui n'ira pas plus loin. Un petit peu d'espace devant lui. Ouais, impeccable, la récupération. En position idéale pour centrer. Allez, il peut y aller. Allez, corner à suivre. Il cherche le point de pénalty. Bon, dégagement, sans se poser de questions. Il avance balle au pied. Contact. Ouais, bien joué. Parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Ouais, la passe est interceptée. Ballon est perdu. Récupération et peut-être une action dangereuse. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Et but, c'est toujours bon à l'apprendre, même si ça ne change pas le verdict de ce match. Le score qui est maintenant de 4 buts à 1. Il avance encore. Baptiste. Faute, mais l'arbitre préfère laisser l'avantage. Faire. Il fallait le récupérer hein, ce ballon. Oh, mauvais endroit pour commettre une faute. Ça va donner un bon coup franc. Le ballon qui est bien parti, ça passe au-dessus. Et ça fait une occasion de plus pour cette équipe qui ne peut certes pas marquer à chaque fois, mais qui devrait encore marquer quelques buts supplémentaires si elle continue de dominer de cette manière. Il choisit la frappe. Quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là! Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Le gardien qui repousse, ça peut revenir! C'était une occasion nette, mais le danger est écarté. Il n'y aura que 2 minutes hein, de temps additionnel à jouer. Non, elle est interceptée, cette passe. Poursuit son action. Et l'arbitre qui indique le chemin des vestiaires. Le score 4 buts à 1. À sens unique hein, cette première période. L'équipe en pleine réussite. Une autre qui est un petit peu KO debout. Et un score qui reflète parfaitement ce qu'on a vu. Ça va être dur de revenir.
Bon, il n'y a pas eu de match hein, dans les 45 premières minutes. Espérons que l'équipe arrive à refaire surface. Il progresse vers le but. Et le ballon capté qui vient mettre un terme à cette occasion. Intervention rugueuse, il a repris le ballon. Oui, le centre peut-être. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Une frappe lointaine, on ne sait jamais. La frappe, c'est au-dessus. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Ah, il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang-froid. Attention, ça peut devenir intéressant. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Il porte le ballon. Ah, le bon centre dans la surface. Position de hors-jeu signalée. Un petit peu de précipitation dans la passe. Oh, le gardien qui se rate complètement sur la relance. Et le but, magnifique! Ça fait 5 à 1 au tableau d'affichage. Ah ça, pour avoir des buts, on a des buts. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Dans la surface, il y a du monde. C'est bien défendu. On tacle. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ah, le graphisme qui le confirme, hein, c'est bien l'équipe locale qui a la main mise sur le ballon. Ainsi la victoire se profile. Oh le but! Oh qu'il est beau! Oh quelle frappe! Alors, on voit cette frappe au ralenti. Cette trajectoire rectiligne, impressionnante, du grand art. Et le score qui est impressionnant, oh, ça fait 6-1 désormais. Il essaye de trouver la faille. Allez, le centre maintenant. Et ça file en corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Oh, la tête complètement ratée. Oh non, c'est pas vrai, le gardien! Allez, but, allez, un but de retard en moins, c'est toujours ça. Voilà, c'est même plus un cadeau hein, à ce stade. C'est une invitation à marquer. Regardez ce ralenti qui est vraiment cruel. 6-2, le score qui est quand même très très lourd. Oh, c'est l'interception! On cherche une solution. Oh, le grand danger! Ah oui, magnifique! Elle est allée le chercher, ce ballon. Très belle parade. Le corner qui est joué court. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Eh oui, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Faut être plus attentif à la ligne.
Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Allez, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Ah non, non, c'est mal défendu là. Oh, l'occasion. La gardienne s'interpose. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Tentative de loin. Le ballon qui change de camp. Alors, une place là pour une contre-attaque. Le gardien qui repousse. Attention. Le ballon qui sort en corner. Attention, peut-être une occasion. Il progresse vers le but. Ça n'ira pas plus loin. Encore une faute pour lui. Attention, car il a déjà un jaune. Ah, le ballon est perdu. Bonne anticipation sur cette passe. Allez, il est passé face à son défenseur. Allez, dégage, très loin. Bonne protection du ballon. C'est donné en profondeur. Il poursuit son action personnelle. Attention, le danger. Ah oui, il y est. Et ça fait 6-3, hein. Le score est vraiment impressionnant. Il poursuit sa course et il ne semble pas disposé à donner son ballon. Allez, une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Tout seul face au gardien. Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Oh, c'est bien donné en profondeur. Il s'est fait passer. Oh, c'est pas bien défendu. Interception. Voilà, c'est terminé. Victoire à domicile aujourd'hui. Cette équipe a livré un match de qualité, vraiment. Superbe efficacité devant le but adverse, complètement mérité. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il y a la victoire au bout. Ah, sa présence a été absolument décisive aujourd'hui. Quand on marque 3 buts dans un match, c'est que fatalement on a joué un grand rôle dans la victoire.